Depuis le 27 juin 2023, jour fatidique où Naël a perdu la vie tragiquement suite à une balle tirée par un agent de police, la société est en proie à une montée incessante de colère et de ressentiment. Au moment des événements, le jeune homme, âgé de seulement 17 ans, se trouvait au volant du véhicule, accompagné de deux autres individus. Parmi eux, un adolescent âgé de 14 ans qui occupait la place arrière. Profondément bouleversé par ce drame, il a consenti à relater sa version des faits dans une lettre adressée aux Parisiens, en date du 3 juillet 2023. Au moment où le policier a ouvert le feu sur Naël, ce dernier a initialement cru ne pas avoir été touché par le projectile. Après avoir été atteint par la balle, Naël a exprimé « C'est un individu dérangé, il a tiré », a-t-il relaté avec précision. Par la suite, il a ressenti une accélération brutale du véhicule, suivie d'un arrêt brusque lorsqu'il est entré en collision avec un élément du mobilier urbain. À ce moment-là, l'individu qui occupait le siège arrière du véhicule a réussi à en sortir avant d'être appréhendé par l'un des agents de police. « J'ai levé les mains pour éviter d'être la cible de ces tirs », a-t-il expliqué dans ses explications. « Je me suis retrouvé à terre. J'ai affirmé au policier que je n'avais rien fait, mais il m'a répondu de « fermer ma bouche ». Par la suite, il m'a menotté », a-t-il ajouté, se remémorant les événements. Il a ensuite été placé à l'intérieur d'un véhicule de police, sans avoir la possibilité d'intervenir, tandis que des tentatives de réanimation cardiaque étaient effectuées sur Naël. D'après son récit, l'adolescent aurait entendu le deuxième policier, celui qui n'a pas ouvert le feu sur Naël, réprimander son collègue, comme le rapporte Le Parisien. Ce policier lui aurait fait remarquer qu'il n'aurait pas dû tirer, car ils allaient mettre en place un barrage plus loin. C'est en entendant ce même policier annoncer la mort de Naël qu'il aurait réalisé qu'il ne le reverrait plus jamais en vie. Aujourd'hui, il demeure profondément choqué par cette tragédie et reste silencieux, sans mots pour exprimer sa douleur.